Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter cet oracle. Vous allez voir, c'est un oracle un petit peu différent de d'habitude, ce qui change, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce que moi j'aime bien justement ce qui est original, ce qui est différent. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur Souffle de Liberté, une chaîne où je vais vous parler justement de tirage de cartes, de présentation, mais également de musique intuitive, etc. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, bah, je vous invite à me contacter directement avec les liens en description. Et si vous avez aussi envie d'apprendre à tirer les cartes par vous-même, que ce soit via un tarot, via un oracle, je vous ai fait une courte formation qui va vous présenter plusieurs tirages que vous pourrez réaliser ensuite pour vous-même, par vous-même, directement. Tout ça en lien en description. Alors ensuite. Pour commencer, vous voyez que c'est un oracle qui est un petit peu différent. La façon de le coffrer est un petit peu différent. Alors moi, ça fait longtemps que je l'ai et comme vous pouvez le voir ici, avec une petite punaise, c'est parce qu'en fait, normalement, ici, c'est aimanté. Mais comme moi, ça fait longtemps que je l'ai, que je l'ai transporté, ça tient plus trop. Et donc, ça fait que ça s'ouvre constamment et donc c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai mis une petite punaise. Cet oracle, ça a été un oracle qui a été fait par William Burton. Alors, ils appellent pas ça vraiment un oracle, mais bon, c'est tout comme. Les couleurs le disent, donc vous comprenez bien que c'est en rapport avec les couleurs. Les couleurs, elles ont un langage, elles ont leur forme d'onde, et donc elles vont nous parler en fonction de la couleur, tout simplement. Donc là, vous avez la présentation. C'est un oracle qui est à 37 euros, quand même, 37,50 euros. Parce que justement, c'est une différence. Et puis, on a la connaissance des couleurs qui nous est dite aussi à l'intérieur. Donc voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, normalement, vous l'ouvrez par ici avec le petit aimant. Alors, moi, j'enlève la punaise. Et ensuite, ça s'ouvre de cette manière-là. On a les cartes ici. Et le petit livret. Alors, je vais enlever tout ça. Et nous avons ici le livret. Alors, comme vous voyez, il est abîmé parce que moi, je l'ai quand même assez utilisé. Et c'est un livret complètement différent des livrets d'oracle qu'on a l'habitude de voir. Déjà, on a une présentation sur il était une fois la couleur, comme il nous le dit là, donc où il va nous dire la signification des couleurs, etc., etc. Et ensuite, si on avance un petit peu, on va avoir une double page comme ici sur une couleur en particulier. Là, vous voyez que, alors je dis vous voyez, mais je suis pas sûr que vous voyez, mais disons que c'est la couleur rouge naissant. Et on a matière et le rouge naissant lumière. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a deux jeux de cartes juste ici. Et on a ça pour toutes les couleurs, avec leur signification au niveau de la matière et leur signification au niveau de la lumière. Donc c'est du spirituel, hein, tout simplement. Et on a juste avant le portrait finalement de la lumière. Donc vous voyez que là c'était le portrait de la couleur, pardon. Vous voyez que là c'est la couleur noire. Et on a le portrait d'elle, le portrait de lui, voilà, si on veut en apprendre un petit peu plus. Et ça pour chaque couleur. Alors je ne vous ai pas dit, mais il y a voilà 45 couleurs différentes. Non, pardon, 48 couleurs différentes. Parce que après il y a des formes, etc. Donc on va voir ça ensemble. Un oracle aux éditions Colorscope d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Et donc, bien sûr, il me fait des soucis au niveau du focus. On a ici le double paquet de cartes. Excusez-moi pour le bruit. Moi j'ai mis des petits élastiques justement pour que ça tienne. Normalement ils n'y sont pas. Hein. Donc bon, c'est pratique quand même de mettre les élastiques. On va enlever ça d'ailleurs. Voilà. Et vous voyez que au dos, on a un dos qui est couleur or et un dos ici qui est couleur rouge. Tout simplement pour nous dire ça c'est les cartes matière et ça ce sont les cartes spirituelles. Et on a le même jeu de cartes. Alors là, comme elles sont mélangées, forcément c'est différent, mais disons que on a 48 cartes de chaque côté, 48 cartes
en matière, 48 cartes en spirituel, qui vont nous permettre de faire un tirage. Si, bon, hop, je vais enlever ça, je vous montre très sommairement. Vous voyez, c'est juste des petits bouts de carton, hein, tout simplement. De toute façon, les cartes, c'est des bouts de carton. Avec toutes les couleurs, vous voyez que voilà, ces couleurs sont un peu différentes à chaque fois. Et on a pas mal de couleurs. Vous voyez, comme je vous disais, des fois, il y a des formes comme ça. Ou ben voilà, comme ça. Et on a toutes les couleurs ici. Qui vont nous permettre d'avoir une vue plus poussée sur la matière. Si par exemple je mélange un peu, alors là je vais faire un truc un peu différent, c'est que d'habitude je vous montre à chaque fois, je vous passe une carte après l'autre. Là j'ai pas besoin de vous montrer, hein, c'est des couleurs, d'accord? Donc vous voyez bien qu'elles sont toutes différentes, même s'il y en a qui se ressemblent, vous voyez ici, ça se ressemble, mais on voit bien que c'est pas pareil. Donc bon, j'ai juste à passer comme ça, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire un petit tirage où je vais mélanger les cartes pour la matière. Et on va tirer la première ici. On va le mettre comme ça. Tac. Et une carte pour le spirituel. Hop. Voilà. Alors, un petit défaut, je trouve, de cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de sommaire. C'est-à-dire que là, pour trouver... Enfin, c'est même pas question de sommaire, c'est que là, ils auraient pu mettre un petit chiffre en haut, à gauche, ou en haut, à droite, peu importe, ou même en bas, peu importe, mais qui nous disent quelle couleur c'est, en fait. Parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, et surtout, bah, pour se retrouver là, je ne sais pas quelle couleur c'est. Alors, la technique qu'ils ont trouvée, c'est de mettre derrière une palette de couleurs, ici, et ensuite avec la carte on va venir essayer de voir quelle est la même couleur. Le problème de ça, c'est que comme vous voyez là, c'est la couleur 35. Le problème, c'est que, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais disons que ce n'est pas exactement la même couleur, parce que ben, l'imprimante, je ne sais pas s'ils ont utilisé, mais l'impression sur le livre là, comme vous le voyez, il est un peu plastifié, vous voyez, on peut voir le reflet, alors que sur la carte, bon là vous voyez le reflet, mais disons que c'est vraiment neutre en fait, c'est vraiment lisse, il n'y a pas de texture par-dessus, tandis que là c'est un petit peu brillant, un petit peu plastifié, ce qui fait que ben, la couleur c'est pas la même, et donc des fois on doute un peu sur quelle est cette couleur, vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, moi, je suis habitué, je sais que bah, cette couleur-là, c'est la couleur 35. Mais on peut douter parce qu'elle est un petit peu plus foncée quoi, quand on la regarde comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais disons que ouais, c'est un peu le point négatif de ce jeu. Et ensuite, on a ce bleu-là, qui est le bleu numéro 16. Comme on le voit, ici, c'est trop foncé, ici, c'est trop clair. Et ici, c'est pareil, c'est comme je vous disais, c'est pas exactement la même couleur, mais on sent que bah, c'est bien ce bleu-là. Donc ce qu'on va faire en fait, ensuite bah, si vous connaissez le symbolisme des couleurs, bah, vous pouvez aller plus vite et pas besoin de lire le livre. Mais disons que bah, moi je connais le symbolisme des couleurs par rapport au chakra, par rapport justement aux éléments, etc. Mais vous voyez que là il y a quand même beaucoup de couleurs et le symbolisme de cette couleur là, déjà on va voir comment il appelle. Donc on va aller à la couleur 33, d'ailleurs, je vous disais 35 tout à l'heure, mais c'est 33. Et donc, il appelle le sable, la couleur sable. Vous voyez ici que vous avez, donc comme je vous disais tout à l'heure, petite description, donc ça, moi, je ne vais pas tout vous lire. Et là, on ne va pas utiliser la partie, ben, forcément, de droite, qui est la sable de la lumière, le sable spirituel, et on va utiliser la partie gauche qui est le sable matière. Et donc là, on va avoir une liste de termes qui vont bah, plus ou moins nous dire au niveau de la matière la signification de la couleur. Donc là, on a les vacances, le repos du guerrier, la pause, l'arrêt momentané d'une activité, le temps d'intégration pour faire le point, le fait de prendre de bonnes décisions, le fait de remettre à demain. Ensuite, bah, ils nous disent voilà, ce qui ne sera pas fait aujourd'hui sera peut-être fait demain. Donc là, on est dans une notion de procrastination quand même.
Il n'a rien à forcer, rien à freiner, loi du moindre effet, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. L'ennui, la lassitude, le chômage, l'année sabbatique. Et ensuite, on a l'énergie que procure cette couleur. Donc ça, c'est dans le petit encadré en bas. Vacant. Acceptez-vous de rester sans rien faire. Vous verrez bien demain et ce dont vous aurez envie. Message de la couleur. Combien de temps écouterez-vous votre petite voix? Donc vous voyez, après cette courte lecture, on peut se dire que ça, pour vous qui regardez cette vidéo, bah, ça peut vouloir dire justement de faire plus d'action et d'arrêter de justement de trop remettre à demain. Peut-être que c'est dans une période actuelle où vous êtes et c'est peut-être bien justement d'être un peu plus communicant, je vais dire, d'être un peu plus entreprenant pour pouvoir faire les choses. On le voit bien d'ailleurs avec cette couleur, c'est une couleur un peu terne, c'est pas une couleur très vive. Voilà, on a plus envie de se laisser aller plutôt que de vraiment y foncer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'était pour le sable matière, et ensuite on va aller au 16, je crois que c'était indigo naissant, donc c'est bien ça, hein. Et vous voyez, c'est un peu dommage quoi, ils auraient pu mettre un petit 16 ici par exemple, ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. Et donc ici je vais vous lire l'indigo naissant au niveau du spirituel. Et donc là, on est forcément dans l'éveil de conscience, le face-à-face avec soi-même, le fait d'admettre sa part de responsabilité, d'assumer tout simplement sa part de responsabilité. Ensuite, on va être dans la faute d'interprétation, le non-sens, l'évidence d'un chemin parcouru et de celui restant à faire. Donc vous voyez, il y a un peu de tout en fait finalement. Et donc bah, dans toute la liste, on va prendre bah, ce qui nous apporte bah, le plus de bénéfices finalement. Demander pardon après avoir reconnu s'être trompé, bon ça, d'accord, hein, mais bon, ça enlève pas la faute qu'on a fait, hein. C'est bien beau de demander pardon, mais on a quand même fait une erreur, donc bon, ça enlève pas l'erreur, mais disons que ça peut permettre d'avancer, voir les choses avec un angle plus grand, attentif au transfert effectué sur sa personne, etc., etc., vigilance à ne pas ressembler à quelqu'un ou à le suivre, vivre les choses sans y attacher d'importance, etc. Et ensuite, on a l'énergie que procure cette couleur. Entamer un travail de développement personnel vous titille, vous avez trop envie de vous épanouir. Message de la couleur, comment se connaître, se rencontrer sans masque. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, la couleur bleue ici, comme ils nous l'ont dit, ça va être l'éveil de la conscience, ça va être le fait de prendre conscience de qui l'on est vraiment. Et donc, bah, des fois, pour prendre conscience de qui l'on est vraiment, ça passe par un cheminement personnel, ça passe par le fait de bah, reconnaître nos défaites, reconnaître nos erreurs, pardonner voilà, s'il y a besoin, pour pouvoir ensuite bah, devenir quelqu'un de meilleur pour soi, quelqu'un de meilleur aussi pour les autres, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, un jeu un peu atypique, qui est vraiment différent, qui se complète bien en fait. Là, tirer une carte comme ça, voilà, c'était vraiment pour vous montrer, et si ça peut vous apporter quelque chose, ben, moi je suis content de le faire aussi. Mais c'est vraiment bien dans un autre contexte, entre guillemets, où ben, on va faire un tirage de tarot classique ou d'oracle, et on va venir compléter certaines cartes avec cette matière, par exemple ici, ou ben, l'oracle plus spirituel, ou même les deux, hein. Et donc ça nous apporte plus de précision. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit jeu-là que j'aime bien. J'utilise pas très souvent, mais c'est vrai que bah, c'est un oracle que j'aime bien. En plus, bah, les couleurs, moi c'est quelque chose qui me parle. C'est voilà, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est vif, tout ce qui est naturel. Et c'est vrai que bah, à des moments, ce jeu me parle bien. Voilà donc pour cette courte présentation. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.